En attendant la partie 4 qui se dit vraiment pimentée. Vous êtes tous pareils, toi, Money Moons, Baby Driver, tout, vous êtes tous des guignols. Roarouf, Arouf Gangsta, t'es fini. Viens de m'envoyer des messages en privé sur Snapchat. Hey, hey, poto, je suis talentueux depuis Mino. Hey, hey, tes rappeurs qui mentent, je vais les éliminer. On sait tous, club S Ramagnon, y'a des 300. Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, celle-là, je vais la publier assez tôt, puisqu'en gros, elle était pas prévue. En gros, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va reparler d'Arouf Gangsta. Viens de m'envoyer des messages en privé sur Snapchat. Et pas n'importe quel message, vu que c'est des messages vocaux, et je me suis dit pourquoi pas te partager en vidéo, ben justement cet après-midi. Vu qu'on est samedi et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas en cours, etc. Donc voilà, je me suis dit ça leur ferait plaisir une petite vidéo cet après-midi. En attendant la partie 4 qui se dit vraiment pimentée, qu'on a atteint les 1500 likes sur la troisième partie. Si vraiment cette vidéo, tu vois, elle atteint les 1000 likes cet après-midi, et ben justement, je vous tournerai la vidéo où je vous publierai les vidéos qu'ils m'ont envoyées en privé. Fuck. On va écouter ces vidéos dans une autre vidéo, attendez. Donc en gros, je vais tout ouvrir et enregistrer et on regardera ça ensemble. Si jamais ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire l'équipe. On va terminer Arouf ensemble. Et pour qu'il y ait un max de personnes qui puissent voir que Arouf Gangsta n'est pas le gangsta qu'il dit l'être. Et bien sûr, je suis pas le premier à le dire et qu'en gros, vous êtes pas si con que ça. Il n'y a pas besoin de moi pour vous dire que c'est un personnage. Puisque la preuve, le mec, il m'aurait pas ajouté sur Snapchat, il m'aurait pas accepté en ami, sachant que je suis en clash avec lui. Ah bah oui, si t'es pas au courant, Arouf Gangsta, il s'est fait supprimer son Snapchat vendredi matin. Est-ce que c'est par rapport aux vidéos, etc. que j'ai lancé? Je sais pas, mais comme par hasard, il s'est fait supprimer. En gros, il en a recréé un par la suite. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais aller voir dans sa story au cas où s'il parlait de moi comme d'habitude. Et ben, ça a pas loupé. Il a parlé de moi en live directement sur YouTube cette fois-ci. Je t'ai terminé son live devant tout le monde, bouffon. Hein. Sauf que ça, c'est prévu dans la quatrième partie. On va en parler dans la quatrième partie. C'est pour ça que dans celle-là, je vais pas en parler. Bref, j'arrête de vous casser les couilles. Je vous laisse avec les petites conversations entre moi et Arouf Gangsta en privé. Donc, vous allez les retrouver nulle part ailleurs que sur ma chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse aussi, je vais mettre des choses sur Snapchat que je pourrais pas mettre sur YouTube, puisqu'il y a beaucoup de censuration, puisque notre Arouf Gangsta, en plus d'être un gangsta, tu vois, il envoie des photos de lui en privé assez chelou. Pas non plus que des photos, vous avez vu, j'ai des vidéos, etc. Et tout ça, je peux pas les mettre en non flouté sur YouTube, je vais les mettre en non flouté sur Instagram. Bien sûr, j'ai créé une petite rubrique, etc., tu vois, spéciale pour les abonnés. Donc, si jamais ça t'intéresse, t'as juste à venir t'abonner et attendre que je publie. L'équipe, comme tu peux le voir, je suis dans la conversation avec Arouf Gangsta et ça a été assez mouvementé aujourd'hui, comme tu peux le voir. Je lui ai envoyé une petite vidéo, tu vois, en lui disant j'espère que t'as vu la partie 3, etc. Tu vois, mais bon, il a été un peu énervé en me répondant. Regardez, et après, ça a été un petit peu rigolo. Regardez bien, hein. Écoutez du début à la fin. Ta mère, Fico, tête de toxico, ferme ta gueule. Je t'ai terminé son live devant tout le monde, bouffon. Hein. Aidez-moi, je me suis fait frapper. Aidez-moi. C'est le bouffon. Hein. Ensuite, il m'a écrit, t'es mon petit Fico. Hey Fico, tête de toxico, tu ressembles à un asfico. Roarouf, Arouf Gangsta, t'es fini. T'es fini depuis le début. Depuis le début que je te clash, en fait. Déjà, je t'avais fini déjà une fois, tu vois. Mais je t'ai laissé. Je t'ai laissé tranquille, mon petit Arouf. Mais là, je crois que c'est fini pour toi. Hein. Vraiment. Hein. Ça pue un peu des fesses. Fini de quoi? Tu veux que je fasse une vidéo que je te termine encore? Vas-y, je vais faire une vidéo, je vais te terminer. Tu vois pas que j'ai fait un live en direct, je t'ai terminé, je t'ai détruit. Tout le monde t'a insulté, c'est ça qui est fini, tu sais, plus personne te calcule. Fini de quoi? Dis-moi, je suis fini de quoi? Toutes les meufs, elles me kiffent. Tu veux que je t'envoie les nudes de mes meufs majeures? Tu veux que je t'envoie les vidéos? Pour que tu fermes ta gueule encore? Ouais. Tiens, je vais t'envoyer des vidéos, mets-la sur ta story. Mets-la sur ton YouTube de merde. Comme ça, tu vas me faire de la pub, bouffon. Hein. Il a mis haha, et j'ai envoyé ça. Ben oui, va dans le dictionnaire et lis la traduction du mot fini. T'es fini, mon petit Arouf. Que toi, t'essayes de m'appeler au moment où je suis en train de te faire un snop. Arouf. Il a mis, haha, prêt, tu me fais rire. Il a remis des vocaux. Et regardez bien. Tu me fais vraiment rire, hein. T'es vraiment un guignol. Vous êtes tous pareils, toi, Money Moons, Baby Driver, tout, vous êtes tous des guignols. Là, vraiment, il a abusé Arouf Gangsta dans ses snaps. Écoutez bien. Mais fini de quoi, Yesbi? Tout le monde regarde mes stories, espèce de gogol, je fais 600 000 vues moi sur Snap. Bon là c'est mon nouveau Snap parce que j'étais sauté, mais sur mon 50 je faisais 600 000 vues, je fais des millions de vues. Toi Fico, t'es une flippette, personne te calcule, tu fais 3000 vues. Je fais des millions de vues, regarde mon clip Palala, 3 millions 2. Je suis le meilleur rappeur. Hustle l'enfoiré, il est venu me voir en Espagne avec sa femme. Tout le monde est fan de moi. DJ Hamida, il m'a demandé une dédicace. De faire genre je sais pas quoi, tu regardes pas mes stories, tu sais très bien. Tu sais très bien que les gens ils sont fans de moi et tu sais très bien que les gens ils me kiffent et que les meufs elles m'envoient des nudes. C'est toi qui es fini. Moi, il n'y a rien qui est fini. Moi, c'est que le début. Arouf Gangsta, c'est pas fini. C'est que le début. C'est que le début. Tu te rappelles de ce freestyle là?
C'est que le début. Je vais passer à Touche pas mon poste. Cyril Hanouna m'a contacté pour Touche pas mon poste. Balou, là, le mec qui fait des interviews, il m'a contacté pour faire des interviews, mais moi, je fais pas d'interview. Moi, je fais pas d'interview. Tout ce que je dis dans mes slams, c'est la vérité. Tout ce que je dis dans mes clips, c'est la vérité. Je fais pas d'interview, je fais pas de feat. Mais pour te dire que tout le monde veut me voir. Parce que je suis le boss. Toi, personne te contacte. Les gens ne te calculent pas. La preuve, t'as crié à l'aide. Tu t'es fait niquer. Tu t'es fait niquer ta mère, là, tu t'es fait niquer ta mère par des mecs bizarres, là, je sais pas où, à mettre. Maintenant, je vais faire le malin. Je vais me lever. Et je vais faire encore des vidéos et je vais terminer. Moi là, je lui ai répondu parce qu'en fait, mon application a buggé. Je voulais tout le temps, j'étais en train d'enregistrer tout et gros, ça a buggé donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va tout enregistrer à la fin. Donc voilà. t'as osé me dire que DJ Hamida t'a demandé une dédicace. Non, mais c'est trop à mon petit Arouf là. Tu te fais trop des films dans ta tête. Tu comprends pas que les gens ils se foutent de ta gueule en fait. Tu vois, que tu demandes, que les gens ils te demandent des dédicaces, etc. C'est juste pour, en gros, se foutre de ta gueule. Parce qu'il y a des gens dans leur famille qui sont déjà tombés sur tes snaps, tu vois, et qui se sont foutus de ta gueule. C'est tout. Arouf Gangsta. Tu parles avec Arouf Gangsta, moi je suis quelqu'un, moi, gros. Je fais des millions de vues, les meufs elles m'envoient des nudes. Et des meufs majeures, hein, je précise bien. Les meufs elles m'envoient des nudes. J'ai ma marque de t-shirt qui arrive. Tout le temps, on me demande des photos. Regarde, ça, c'est mon 5e compte Snap. C'est mon 5e et les gens, ils me rajoutent. Donc, ça veut dire que je suis pas fini. Si je serais fini, les gens, ils m'auront pas ajouté. T'as capté? J'aurais fini comme Mounir Mounz. Mais si les gens, ils m'ajoutent, c'est que je suis pas fini. C'est que je suis toujours là et je serai toujours... Toi, t'es fini. Toi, personne te calcule. Regarde les gens et t'ont dit, arrête de parler de moi, non, parce que t'es fini. C'est toi qui es fini. Moi, je t'ai détruit devant tout le monde. Baby Driver, je l'ai détruit et toi, je t'ai détruit. Et moi, je suis en train de construire ma carrière. Arouf, fais donc. C'est moi, je vais te terminer. En gros, ça va aller vite fait, tu vois. Mais on va faire ça petit à petit. Je sais pas si t'as regardé la troisième partie. Petit à petit. Vu que toi t'es petit et moi que je suis petit, ça fera petit à petit. Bref, elle était nulle celle-là, mais j'aime bien la reclaquer. Personne qui... Bon, je vais t'envoyer mes nudes et tu vas fermer ta gueule, vas-y, bouge pas. Non, parce que toi, tu vas afficher, tu vas mettre sur YouTube. Après, les meufs, elles vont me casser les couilles. T'es un jaloux, je vais pas t'envoyer. Parce que je vais t'envoyer, on va voir leur tête, et après, ils vont me casser les couilles. Hey, les meufs, elles me kiffent pour de vrai. Les gens, ils se foutent de ta gueule de toi. Tu t'es fait niquer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Il y a personne qui suit. Ouais, Didier Hamida, il est fan de moi. Oui, Didier Hamida, je te dis, il est fan de moi. Il m'a demandé une dédicace. Il a partagé mon clip. Tout le monde est fan de moi, parce que c'est moi le boss. C'est pas tes rappeurs de merde, là, c'est moi le boss. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends le nom de ta tête de marmotte? Tu vas prendre cher, mon petit Arouf. C'est moi le boss. Je suis numéro 1, je suis Arouf Gangsta. C'est moi le patron, c'est moi qui contrôle tout le rap game. Et là, je vais faire des vidéos et je vais terminer. C'est moi qui contrôle. Fico, tête de toxico, espèce de petit astico, Fico, la flippette. Arouf Ousselem, on t'a dit clairement. Bye, bye Fico, la flippette. Je suis plus beau que tous les rebeux, je suis le meilleur rappeur, les meufs elles me kiffent. Je suis comme Tony Montana, le monde Chico, et tout ce qu'il y a dedans. Fuck. On va écouter ces vidéos dans une autre vidéo, attendez. J'ai pas de calvitie, fils de pute, sur la tombe de mon père, regardez mes cheveux, sur le corps d'un mec, j'ai pas de calvitie, regardez bien. Tac. Sur le corps, j'ai tous mes cheveux. Donc voilà mon iglo, sinon si jamais ça t'intéresse, si cette vidéo elle atteint 1000 likes, et ben j'ouvrirai justement en direct les vidéos qu'il m'a envoyées. En gros, on se refera une autre partie sur Arouf Gangsta qui a rien à voir avec les parties 4, etc. Des petits bonus, on va dire. Vu que c'est le week-end et qu'il n'y a pas cours et qu'il y en a beaucoup qui taffent pas, donc voilà, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Fico, tourne cette vidéo ce soir et envoie l'heure à midi. Comme ça, ça vous fait patienter jusqu'à ce soir la partie 4. Donc l'équipe, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et pour surtout mettre un petit pouce bleu pour qu'on finisse Arouf ensemble. Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Time. Je sais pas pourquoi, j'en bavais de faire ça. Arouf le plus beau des repeux, Arouf Ousselem on t'a dit, clairement bye bye. Y'a rien à faire, non, fais les bons bails au bon moment. Quand t'as déconné, t'as mis ton nez où fallait pas, là tu te sens bizarre mais ça rend pas inarrêtable. Y'a rien à faire, non, fais les bons bails au bon moment. Quand t'as déconné, t'as mis ton nez où fallait pas, là tu te sens bizarre mais ça rend pas inarrêtable. Ta mère, toi t'as jamais rien fait à part de dire oh t'es car les portes viennent. Eh l'équipe, juste au passage, tu vois, ça a rien à voir avec la vidéo, mais est-ce que vous avez une satisfaction quand ça fait ça vous aussi? C'est un truc de ouf, hein.
Ça fait un petit truc au cœur, un petit baume au cœur. Gros sort sa coffre, allez voir son dernier clip, franchement, il nique tout.